Félicitations, réputation du donjon a bien progressé, l'accès au premier étage est débloqué. Ça supplémentaire augmente la capacité d'assainir des sbires dans le donjon, mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion, elle est comprise dans la somme à orange. Je veux faire un truc avant. S'il vous plaît. Bon, réservation à l'hôtel, je propose de voir les yeux. Et voilà. On a notre place dans le classement TripAvidor des meilleurs donjons de la Terre de Fang. Je veux me pencher sur l'amélioration pour juger de son adéquation avec les critères généraux fixés par les grilles de péréquation attributive de la caisse. Alors. Hé, hey, maintenant que l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec? On le planque sous un matelas? Vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé? J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à les reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais, surtout on n'a pas envie que le patron mette trop son pif dans les comptes, pas vrai? Ce qu'il faudrait, c'est une salle du trésor, avec un banquier nain. Là, au moins, tout serait d'équerre. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux à l'aide d'un différentiel de niveau architectural. Elle a dit quoi, la maboule? Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif. Alors. On attend un petit peu que la thune elle monte, hein. Ah bah. Pour mettre la thune à l'étage, on va la mettre là. C'est une salle du trésor. Salle du trésor. On va mieux la mettre là. Ça. Oh, il me faut 2120 heures pour faire ce que je veux. J'ai le plaisir de vous annoncer que compte tenu de l'appréciation positive de l'évolution de vos scores de réputation et de l'atteinte concomitante de standard minimum d'accueil, ce donjon est maintenant ouvert à l'exploration. Oh, par le crâne de Yorick, ce n'est pas dommage. Affirmatif. Je place immédiatement la garde en état d'alerte jaune. Code 22. Oula, je ne suis pas certain que nous soyons prêts. Enfin, j'imagine que nous avons le temps. La caisse des donjons a déjà communiqué sur l'ouverture de votre établissement. Les premiers aventuriers sont sans doute en route. Il y a toujours une appétence pour être les premiers. Nom d'un robinet, aux armes! Aventurier en approche. Alerte rouge, code 808. De Dieu, il y a du monde. La carte a été donnée.
n'étions clairement pas prêts à affronter ces aventuriers. C'est la caisse des donjons, maître. Ils nous ont pris par surprise. Sans doute pour nous punir de ne pas avoir payé pour augmenter notre réputation. Par les fouets du malheur de Vantog, plutôt mourir que de subir leur racket. Pas le choix. Il faut renforcer les défenses. Affirmatif. Oh, bien mort. Les performances de votre donjon commencent à être relevées dans la région. La cadence d'approche des collectifs exploratoires va s'accroître. Désirez-vous une période probatoire de rémission? Pour quelques milliers de pièces d'or, nous pouvons... Jamais. Nous allons nous débrouiller sans vous. Comme vous voudrez. Je vous rappelle que les pièges de donjon doivent répondre à la norme de qualité 759B72 concernant les dispositifs mécaniques automatisés de coups et blessures intentionnels pour être homologués par la caisse. Oh, toujours cette paperasse. Alors, ces plans de renforcement des défenses, ça vient ? Affirmatif. Planification terminée. Prêt pour le transfert à l'intendant. Alors voyons voir. Quoi ? Mais ça va coûter une fortune! Négatif. J'ai prévu au plus juste pour les capacités opérationnelles. Une armurerie, deux nouvelles recrues et des moyens de détection par patrouille aviaire. N'oubliez pas que la caisse verse un dédommagement pour chaque aventurier tué. Vous contribuez ainsi à la régulation de leur population, tout en participant à la sélection des élus et autres héros choisis par les dieux. Visiblement, les aventuriers les plus forts sont obtenus dans le donjon sans passer par la porte principale. Une nouvelle incursion est en approche. J'espère que vos dispositifs sont bien homologués, sous peine de perdre les primes afférentes au décès des aventuriers. Ah, et bah là, tout de suite, oui, ça fonctionne mieux là. Encore avoir des morts parmi les gardes, parce que vraiment. HP, mais. Éliminé. Mode d'attaque type Delta. Allez, en pas de course. Incursion terminée. Code de repos B4. Vigilance et piège. Je vais écrire au donjon du voisinage pour les narguer. Je ne suis pas certain que cela soit une très bonne idée, maître. Silence. Laisse mon génie créatif et maléfique s'exprimer. On a besoin de 2000 balles déjà pour la trésorerie. On gagne plus que ce que l'on dépense, on va attendre un petit peu. Hein. On verra ça après, déjà on va s'occuper de la trésorerie. Thank you.
On va avoir des 4 qui a bientôt se terminer. Là, faut qu'elle soit sale. Hein. Tu vas te faire avec Mipsy, ça? Recruter un banquier. Ça, c'est la gestion des biens. Recrutement un banquier. Ami Cali, je participe à toutes les grèves, vendre sa bière et ses saucisses. Course sur pattes. Ne peut pas utiliser les lits et les tables habituelles. Alors, il faut du mobilier pour nain. Tête de pioche, ne quittera jamais le donjon de lui-même. Sa fierté est inversement proportionnelle à sa taille. Bref, chiant. Pas de banquier. Donc, du coup, il nous faut. Gentil, pour les nains. Nains sont chiants. Et qu'ils soient artisans hors pair, chacun d'eux possède le trait chiant. Hein, besoin d'un lit pas spécial quand tu prends sa petite taille. Bref, les nains sont chiants. Ok. Donc, pour nain, à 4. Pour l'instant, on va prendre ça. Après, on améliorera. Hein. C'est juste pour l'instant, on fait avec la thune. Quoi. Souffre d'un problème bloquant au niveau des flux matériels entrants et sortants. Je suggère la mise en place d'une opération commerciale pour fluidifier la chaîne logistique. Les ressources. Oui, ce serait sans doute une bonne idée de pouvoir vendre et acheter plus facilement du matériel. Ouais, puis ça éviterait de perdre du temps à courir les boutiques à vol tordu ou loubé. On perd des plombes à négocier avec les rempailleurs de chaises et les marchands de boudin. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin, j'imagine que pour garder l'or, c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté pénible des nains ne posera pas trop de problèmes de morale aux autres sbires. Ça aussi, c'est du langage administratif. En vrai, les nains sont juste chiants. Revax, tu as construit une salle du trésor ? Oui, maître. J'ai pensé que c'était mieux pour sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragur se vantait de la sienne. Ah, c'est très on bien. On va mettre un truc là. Ravi d'avoir pu aider, maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité? Pour la sécurité de notre or. Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter.
Il va vraiment falloir qu'on prévoit en cas de rentrée de. Ouais, déjà, on a les banquiers qui font leur travail. Entre là et cette entrée là, en vrai, on est tranquille pour. On va tester, on va voir. Ouais, mais essayer de mettre. Voir ce que ça fait d'être un petit peu. Tac. Ah. On va essayer de prendre un petit peu d'autres origines. Hein. Des gardes, là on a que de l'humain. Pour l'instant, au niveau du personnel et tout, on est tranquille parce qu'on gère pas beaucoup de thunes. Ah. Un cuisinier orc. Cool. Pose pour 3 ennemis tués. Et pas lentir, faut aller voir. Gros de Revax. Paye pas lenti. Ah, c'est un autre bureau. Qu'on améliore la situation financière. Hein. Ah, taverne. Ah, par la couronne du grand trilobique, je suis maintenant connecté au flux magique de Paix Palantir. Je vais pouvoir améliorer la décoration et acheter des robinets. Revax, je viens de voir que le tourniquet infernal de Mars d'abord est en vente. Il me faut cette relique pour mes recherches, tout de suite. Une relique sur le marché. À quoi là? Ouais, donc ça c'est ce qu'on peut acheter. Mais ce n'est pas la relique commandée. Je pensais qu'il vendait le tourniquet de Marzabor l'ancien. Mais c'est celui de Marzabor le jeune. Cette annonce était une tromperie. C'est que c'était marqué, mais en tout petit, maître. À côté de la mention, ni repris, ni échangé, et non remboursable. Tout ça, c'est de ta faute, Revax. Fais immédiatement enlever de mon bureau cette relique minable. Qu'est-ce que tu marmonnes?
Par les tentacules de Xor, mets-toi au travail! Je vous rappelle que l'exposition de reliques, même de moindre qualité, peut contribuer à la globalisation sectorielle des axes mobilisateurs du back-office. Oui, oui, bien entendu, je vais demander à un stagiaire de travailler sur une présentation. Tout ce qu'il nous faut, c'est un piédestal pour exposer cette bouse. Piédestal. Tiens. Marge là. Marge. Ah, sorti les chiottes. Comment? La tripe meurt de... Les stats. Voilà, j'ai fait aménager un piédestal à reliques. Ouais, pas mal. On doit pouvoir s'en servir comme séchoir à saucisson. Négatif, comme accessoire d'entraînement au corps à corps. Mais vous êtes malade. Il faut juste qu'on pose là le... Enfin, le truc là que le maître essaie de faire filer. Rajouter les gardes nains. Un son. Garde elf. Ah, on a 8 lina, on a 4 banquiers. Je mettrai pas. 2 gardes nains. Loin dans ce point là à la porte, on va se faire changer les 3 elfettes. On a juste de quoi prendre les 2 gardes là. Pardon, Revax, j'ai reçu un courrier d'insultes de la part du temple de Wismal. Je veux qu'on y envoie une troupe et qu'on les tabasse. C'est-à-dire que c'est un donjon très réputé, maître. Nos soldats risquent de se faire massacrer. Affirmatif. Probabilité d'échec maximale. Par les griffes du chalibuc, ne discutez pas mes ordres. Je veux qu'on envoie immédiatement un raid pour châtier... À vos ordres. Un plan dans les terres de Fang, dans la salle de... On aura de l'argent. Laissez les fonds remonter parce que là... En 5. Planifier pour planifier votre raid. Ah ouais?
Ah, il est un groupe de 5 sbires envoyés en mission pour accomplir des méfaits. Chaque raid appartient à un type spécifique qui détermine la récompense obtenue. Chaque raid effectue un impact sur le mécontentement des factions. En cas de mécontentement élevé, la faction peut lancer une incursion en représailles. Pour la faction et le type de raid, la réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et du métier des sbires envoyés. Ce drôle est très réputé pour être un lieu de culte dédié à Nurgle. C'est pas le meilleur lieu pour aller se ressourcer pendant les vacances. Garde, bonus de mission, garde espion, bonus de faction, orc, gobelin et troll. 125 de thunes et gagne de la réputation. Bien, bout des filtres. Ah, on tient 11% de chance de réussir. Chaque nouvelle décade, de nouveaux raids sont disponibles offrant une récompense alléchante comme des reliques. Les répercussions sont à prendre en compte. Un raid met une certaine durée à se réaliser. Une fois terminé, il est nécessaire de retourner sur les cartes pour connaître le résultat et récupérer le butin. Nos troupes sont parties à l'assaut du temple de Wismal, maître. Bien. Ces maudits prêtres vont comprendre ce qu'il en coûte de se moquer de Zandar. Conseil de décoration murale, occasion à nouveau. L'échec est total. Alors, comment ça générer de la thune là? Incursion. Oh, donc. Alerte. Ok, on a déjà eu l'alerte. Là, cette salle là. On va la mettre. Hop, déjà. Là aussi. On va les décorer un petit peu quand même. Non, je crois qu'il manque. Alors, ennemi tué 4 sur 4. Au rapport, incursion ennemie terminée. Nos propres troupes ont été étriées à Wismal. Et nous avons subi une incursion. Toute cette séquence n'était guère satisfaisante. Je dois pouvoir agresser mes voisins tout en défendant mon donjon. Je suis un sorcier maléfique, pas un fabricant de brosses pour poney. Puis-je suggérer que nous recrutions une personne qualifiée pour ce genre d'activité? Un maître espion, un assassin ou un chef de bande? Non, c'est stupide. Je vais plutôt mettre une annonce pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Bien, maître. C'est trop. Bonjour. Alerte mauve, code 23, incursion dans le bureau du maître.
Maudit drôle qui s'infiltre partout. Je viens pour l'annonce, la place d'assassin. Ah, parfait. Je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés ? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs sans doute. Je suis Draja Dronen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous ? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant donjon ? Parfait. Et attention, maître, les assassins drow sont connus pour user de leur charme. C'était une initiative malheureuse de mon intendant et de mon maître d'art. Négatif ! Et maître, c'est vous qui... Silence ! Je suis cerné par les incompétents, vous voyez ? De toute évidence, il vous faut quelqu'un pour organiser vos forces d'assaut maléfiques. Votre donjon est bien placé et les cibles aux alentours ne manquent pas. Et vous avez des références, une expérience préalable, un CV à nous donner ? Je peux vous montrer quelques centaines d'oreilles que j'ai coupées en guise de preuve d'assassinat. Et faire sur vous une démonstration de sévices et de torture. Minute. Si elle est recrutée, comment devra s'articuler la chaîne de commandement ? Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés, mais je vous promets que vous serez comblés par mes sévices. Services. Parfait. Vous êtes engagé, mais n'oubliez pas de... Je dois rester concentré. Nom d'un coyote boiteux. J'ai un mauvais pressentiment. Affirmatif. J'ai analysé les raisons de votre échec. En un mot, vos troupes sont minables. Négatif. Je disconviens respectueusement. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite, spécialistes de l'infiltration, qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non. Car la gloire et le salut du monde ne nous intéressent pas. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. J'aime cette approche des choses. Au travail, tous les trois. Et en bonne entente. Ok, construire une salle d'entraînement et entraîner des soldats. Donc la salle d'entraînement, elle va aller en bas. Dans la logique, elle devrait se situer ici. Là. Entraînement dans la logique. Problème que j'ai. Pas la porte. Ah, je fais. Ah, une petite salle intéressante. Il faudrait qu'on recrute un petit peu. Il n'y a que des gardes qui...
jamais du temps perdu. Je maîtrise la préparation organique des troupes et vous aurez le contrôle opérationnel des raids. Parfait. Par ailleurs, avec vos tempes grisonnantes, je trouve que vous êtes si... Négatif. Je suis immunisé à tous les artifices de séduction des assassins Drow. Certification d'opérateur commando en milieu elfique souterrain, 3e niveau. Entraînez déjà vos éclopés et on en reparlera. Alors, pensant qu'on a deux gardes nains, on peut faire deux artisans. On va faire un mini atelier. On prend. Ah ouais, non, ouais, on va. Prends les décors. Bonjour en carte. Par contre, je vois pour amener. Une idée. Quoi ça? Grosse bulle d'or, bien démissionné. C'est quelqu'un qui a démissionné. Il faut que je descende du coup. De toute façon, il va falloir qu'on améliore un petit peu tout ça. Hein. J'allais plutôt faire une balade en forêt. Oh grosse bulle d'or, ça peut. Alors, imaginons.
Ça irait pas. On commence. En effet, monter la taverne. Non, mais tu... Ah, une porte. Okay. L'entrée. Quoi? Table. Bon. Un petit coin pour là. Ouais, non, attends. Ouais, on va attendre d'avoir de la thune, hein, parce que j'ai l'impression que ça nous fait rentrer de l'argent. Réfléchir au déplacement, tout ça. On va attendre les incursions et les rentrées d'argent, et on va décaler après la taverne. On va attendre 1000. 1000. On va être sur pause. Ah, on le met où? Oh, il va falloir retaper. Hein. J'ai quelqu'un là. Tac. Ah.
donc là. L'entrée, on dit. Et on rentre par là. Hein. Ah. Étape pour les nains. Donc, les nains, faut les mettre dans un coin. Ah. Attends. Trois tables. On s'en fout. Là, c'est pas fait pour l'instant. Pour être. Mettre. Un buffet là, un buffet là. Pareil. Pour l'instant, on est à 320. Il faut savoir que l'objectif, c'est tout cet étage, après, ça soit la taverne. Hein. La fameuse taverne de Nullbuck. L'arrivée se passe là. La vente se passe là. L'installation là. Les nains là. On aura d'autres trucs spécifiques. On peut avoir des tables de jeu. Alors, chez les nains. Ouais, les hommes. Merde, alors, deuxième saucisson TripAdvisor. Parce que là, en fait, c'est augmenter la place et le débit de service. Zéro. Économise. Ah bah il est là. Et ça commence à arriver dans la taverne. Herbe n'est pas rentable. Attends! Thank you.
C'est sur 46. Il faut savoir qu'après, là, on va agrandir tout bas. Oh bah voilà, la taverne n'est pas rentable quand même, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on manque de déco. Hein. Cuisinier. Bon, pour améliorer ce premier étage, hein. Remettre
Voilà, là il est rentable. Maintenant, plus qu'à préparer le fameux atelier. On va bientôt arrêter là. Hein. On va préparer l'atelier, je pense, et on arrêtera là pour ce soir. Les armes, on va le mettre sur le stock des ressources. De configurer un pourcentage de ressources. 50% des ressources. Voilà un petit bazar de fait. On va voir nos prochaines missions. Reçu fort et clair. La force est entraînée, vous avez le contrôle opérationnel. Des malades. Je suis cerné par des malades. Hé, hey, une petite prune pour faire passer ça? Portez le raid vouloir du mal à Wismal. Garde espion Orgo. Ah, l'établi à outils. Alors ça, c'est en bas. Il faudrait de miser sur la moitié, non ? Parfait. Nous pouvons maintenant stocker les outils. Je vais commander des robinets. Bon, nous n'avons pas de canalisation, mais qu'importe. Et on pourra aussi avoir d'autres ressources utiles.
Moi j'ai une drone disponible. Vers 1200 en gain de taverne, c'est pas mal. Nos troupes progressent et la réputation du donjon augmente. Votre nom fait trembler les habitants des environs. Affirmatif, on démoule du cloporte par boîte de 12 et on rase les donjons de près. Je note en effet une modification positive des indicateurs associés à la performance de vos processus de conduite des opérations extérieures avec une corrélation dans l'évolution de vos scores de réputation. Je trouve quand même que les butins que nous ramenons sont un peu minables. Et faire trembler les fabricants de boudins de Val Tordu n'a rien de très glorieux. Donjons et Despotes publient des palmarès bien plus grandioses. Je peux monter des raids plus stimulants, mais les cibles sont plus éloignées. La solution, c'est l'espionnage. Affirmatif. Développer le retour d'expérience et le renseignement par stockage d'informations. L'apparition agrandit sa carte des raids, augmente le nombre de raids disponibles. Ouais, une petite modification à faire. Deux esprits présents. Voilà. Ok, donc il faut savoir comment on stack. Ah, parce qu'il faut recruter donc des infos, et ça c'est juste du stockage d'infos. Ok, donc on verra ça la prochaine fois. On va sauvegarder cette campagne. Et on va arrêter ici pour ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine. Bye.